Bonjour, bienvenue sur Rollis TV pour l'ouverture critique de Talticourt. Talticourt est un cadre de jeu donc écrit par Alexis Flamand et illustré par Guillaume Tavernier et c'est sorti chez De Architectur Art. Alors Talticourt est un cadre de jeu médiéval fantastique qui nous décrit une région qui se situe sur le même continent, donc Austerion, que les autres productions de Guillaume Tavernier, à savoir Tahala, Longueville et la Seigneurie de Bors. Donc le contexte présenté ici peut être utilisé dans le cadre d'aventures sur ce continent ou utilisé dans d'autres mondes médiévaux fantastiques à votre convenance. Alors Talticourt en fait a la particularité de se focaliser sur des petites créatures de moins d'un mètre aux oreilles pointues et à la peau verte que vous massacrez peut-être sans trop y penser par paquet de 10 dans vos aventures préférées. J'ai nommé les gobelins. Donc les contextes décrits ici se focalisent sur les gobelins et on vous présente toute une civilisation avec 5 tribus différentes et tous les détails concernant donc, leur habitat, leur alimentation, les vêtements qu'ils portent, leur culture, leur religion. Donc le reste de cette vidéo va porter sur le contenu plus en détail de ce livre et donc je conseille à nos amis joueurs de s'arrêter là et pour les maîtres de jeu, à tout de suite pour du détail. Alors tout d'abord les détails techniques, Talticourt est un petit livre, nous avons 77 pages, un format un petit peu plus grand que du A5, couverture souple avec rabat, et vous allez voir que l'intérieur est tout couleur. Alors la zone de Talticourt, donc 5 tribus réparties le long d'un fleuve, donc nous sommes dans un environnement de jungle, donc qui est assez original pour un contexte médiéval fantastique. Aux origines, cette zone a vu des dieux s'affronter, donc ces combats ont laissé une magie résiduelle dans la zone très importante, et ce qui fait que depuis, donc les 5 tribus sont implantées sur les 5 grandes zones de pouvoir, et qu'elles enterrent donc régulièrement et déterrent des objets qui se sont au fur et à mesure du temps gorgés de magie, donc ils les déterrent pour les exploiter ou les revendre. Alors ces objets, vous allez voir que donc ils sont d'inspiration vaudou. Nous avons des choses assez organiques à base de peau, d'os, de poils. On va du plus anecdotique au plus puissant. Donc le premier, les gris-gris. Donc un pouvoir assez faible, mais également des effets néfastes sur le porteur négligeables. Ensuite les amulettes. Donc des choses plus significatives. Vous voyez que là on a quelque chose qui s'enfonce dans les chairs. On vous présente au fur et à mesure des personnages légendaires et on peut voir sur cette illustration d'ailleurs que les objets magiques sont effectivement bien incrustés dans les chairs du porteur. Au fur et à mesure donc de plus en plus de pouvoirs, les fétiches puis les totems, mais également de plus en plus de volonté propre. Et donc les totems peuvent carrément influencer les tribus et les gobelins ou humains aux alentours. Donc l'enjeu autour de ces objets magiques, en fait, est de pouvoir utiliser les bons et de faire en sorte que les mauvais, ce qui pourrait être néfaste pour les tribus, restent enterrés à jamais. Les gobelins se sentent cette responsabilité donc de faire attention à ce que les mauvais objets magiques ne voient jamais le jour. Et donc à ne pas revendre et à ne pas laisser les humains en contact avec les plus néfastes. Donc on va vous détailler dans un premier temps le socle commun de tous les gobelins, donc à savoir l'apparence, leur alimentation, l'hygiène, le langage, la mythologie, les différents aspects de l'artisanat, donc plutôt profane et celui lié aux objets magiques. Ensuite, le commerce, les rites tout d'abord sociaux, donc l'union à la tribu, le mariage, la naissance, l'enterrement, et puis un rite magique donc avec le métavaudou, où en fait on va déranger un esprit en lui faisant croire que c'est la cible qui est à l'origine de ce dérangement, et donc l'esprit va se venger sur la cible. Encore un personnage légendaire. Ensuite, nous avons des aspects donc assez humoristiques hein, tout au long du livre. Les gobelins, sachant qu'ils sont pas très forts, sont plus portés à faire de la manipulation, donc à utiliser les gens, les animaux ou la faune contre leurs ennemis.
Les chamans, donc, qui vont être une guilde particulière au sein de leur civilisation. Donc pareil, c'est assez humoristique, hein, ces chamans sont plutôt des grosses feignasses qui passent leur temps à manger et autres, et à essayer de ne rien faire. Et d'ailleurs, ils s'élisent un chef un peu au hasard, et le rôle de ce chef n'est autre que de leur fournir une excuse pour ne pas faire certaines choses quand les membres de leur tribu leur demandent. Voilà, encore un personnage légendaire. Et donc là, nous allons rentrer dans le détail des tribus. Donc les tribus, voilà, donc les Kepilati pour commencer. Alors les Kepilati sont plutôt des commerçants. Ils vivent au nord et sont ceux qui sont le plus proches des humains. Ils essaient de les arnaquer la plupart du temps, de leur vendre des objets qui ne font pas grand-chose. Et en gros, de, en quelque sorte, décourager les explorateurs d'aller plus loin vers le sud. Donc c'est un peu leur rôle parmi les tribus de décourager les explorateurs. Donc dans cette tribu-là, beaucoup de pauvreté, ils vivent dans un environnement plutôt bidonville, il y a de la prostitution, voilà. Et dans chaque description de tribu, vous allez retrouver une description de l'esprit tutélaire de la tribu, donc toujours une inspiration vaudou, là le baron tonnerre. Voilà, cet esprit tutélaire est appelé Loa, comme dans le vaudou. Et donc voilà ici un plan 3D donc, de Guillaume Tavernier, voilà, toujours aussi réussi, donc le marché au gris-gris des Kepilati. Ensuite les Tibao, eux sont beaucoup plus retirés des affaires gobelins, ils sont d'ailleurs dans un habitat plutôt troglodyte. Leur chef en fait est choisi par un babouin géant, un Bam Bam, qui vient en fait et choisit son chef. Voilà, ils sont beaucoup plus hostiles vis-à-vis des visiteurs. Voilà, encore un site. Et ici, donc, on vous parle du loa de la tribu. Les Anupai, eux, sont plutôt des érudits, et pourtant très hostiles. Voilà, ils sont très très friands de connaissances. Donc, en fait, ils ont une façon très très originale de transmettre ces connaissances avec des damba. En fait, ces dambas sont des petits mollusques qui, donc voilà, on va mettre ça sur la nuque d'un chaman qui va pas tarder à mourir. Cet animal va le tuer, en fait, ce faisant, on va en fait transférer toutes les connaissances à l'intérieur de son corps. Et pour les retransférer dans un autre chaman, ensuite, cette fois-ci sans le tuer, on va l'appliquer sur la carotide de la personne et casser la coquille. Et voilà, c'est une façon très originale de transférer les connaissances. Ensuite, les Biribiri, eux sont nomades et très très discrets dans la jungle. Ils savent également très bien s'orienter. Ils sont dans une espèce de guerre continuelle en fait avec la tribu des Pakawalta. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils retiennent prisonnière donc le Loa, donc Papa Logba, donc des Pakawalta. Et donc les Pakawalta eux-mêmes. Voilà, eux sont plutôt intégristes, dirigés par un dictateur, pratiquent beaucoup de sacrifices voilà, dans un lieu, dans cette espèce de temple. Et donc n'ont qu'un but en tête, et de libérer leur loa tutélaire. Alors la particularité de Taltikour est aussi de mélanger donc, voilà, un peu d'humour, mais également, comme je vous le montrais précédemment avec les Pakawalta, des aspects plutôt horreur. Et la jungle, en fait, en elle-même, s'inscrit plutôt dans cet aspect horreur, puisque la faune et la flore voilà, sont en général très dangereuses pour les explorateurs. Donc avec des créatures sympathiques comme les trilles, hein, avec un nom comme ça, on imagine que ça ne va pas vous faire du bien. Et donc voilà, une flore aussi, avec beaucoup de choses très dangereuses. Et vénéneuse. Donc voilà, ça c'était pour le contexte. Et ensuite des conseils de maîtrise. Donc comment jouer dans le Taltikour avec donc une table de rencontre aléatoire. Voilà. Et puis là on vous parle des secrets. En fait, donc voilà, les joueurs vont a priori arriver dans la zone de Taltikour en ne connaissant quasiment rien sur la magie, donc c'est plutôt le niveau 1 sur cette magie qui est présente dans la zone. Ils sont juste attirés par des rumeurs donc de présence d'artefacts intéressants et autres.
Et petit à petit, en fait, voilà, au fur et à mesure de rencontres et d'exploration par eux-mêmes, ils vont se rendre compte de ce qui se joue vraiment dans cette zone de Taltikourt et qu'est-ce qui est à l'origine donc de cette magie résiduelle. Et ensuite, donc voilà, un scénario, la fureur du chaman. Donc c'est bien présenté, avec un voilà, on détaille bien, enfin on met bien en scène tout ce qui a été présenté précédemment. Et c'est en fait un scénario donc assez fourni et qui peut être en fait étendu si vous voulez, donc il peut constituer voilà, on vous donne des pistes pour transformer ça en campagne. Et donc voilà, donc ce scénario à ce moment-là n'en serait que l'introduction. Voilà. À tout de suite pour la conclusion. Alors vous l'aurez compris, Taltikourt est un cadre de jeu que je trouve très intéressant. C'est bien écrit, c'est bien illustré. Je trouve que c'est à la hauteur des précédentes productions de Guillaume Tavernier. C'est un cadre de jeu donc, que vous allez pouvoir utiliser pour surprendre vos joueurs, qui peut-être donc face à ces gobelins vont arriver avec certains a priori, vont trouver tout ça un petit peu marrant et pittoresque. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils vont s'enfoncer dans la jungle, ils vont se rendre compte donc de l'ampleur de leur erreur, et à ce moment-là, voilà, peut-être vouloir rentrer rapidement chez eux. Donc, un cadre de jeu que je vous recommande, et à bientôt sur Ulysse TV.